il est des soirées magiques. Lighty, Strasbourg. Allez, prends-le, mon grand. Oui, bien sûr. Voilà. Et ah, magnifique. Il sait où se trouve le panier. Des histoires à la beauté unique. Strasbourg, à 3 points. Superstar. Superstar, Mathieu Strasbourg. Celle de Mathieu Strasbourg en fait partie. Allez, retravailler, retravailler. Ah non, il envoie une bombinette. Ah mais... Mathieu Strasbourg, 17 ans et quelques mois, qui envoie la bombasse. Quel culot. Pour son premier match en Euroleague, Mathieu Strasbourg s'est fait un nom. Lui, qui seulement 2 ans en arrière jouait encore à Marne-la-Vallée. Mathieu, c'est un fauve. C'est un fauve, c'est un lion. Ce qu'il vit là, c'est fort quand même. Hein. Tous les gamins rêvent d'être à sa place. C'est donc en Seine-et-Marne que débute l'histoire de Mathieu Strasbourg. Son cursus est le même que de nombreux jeunes basketteurs, des premiers pas dans un club amateur, où son talent est très vite remarqué. J'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans dans le club de Marne-la-Vallée dans le 77. À Marne-la-Vallée, c'était l'endroit où on allait le laisser développer justement ses compétences. C'est quelqu'un qui avait un culot monstre. Et en minime dernière année, je me suis fait recruter par l'ASVEL, genre... Johan Sangaré et TJ Parker, ils sont venus me chercher et ils ont apprécié comment j'ai joué. Et c'est là que j'ai commencé à faire un essai. Ça s'est bien passé et c'est là que je suis arrivé à l'ASVEL cette année. Quand il est parti à l'ASVEL, c'était pas le joueur attendu. Hein. Mais Mathieu Strasbourg réussit tout de même à se faire une place à l'ASVEL. Un contrat d'aspirant, à la fois espoir et professionnel. Le meneur a pu compter sur sa force de caractère. Il est très exigeant avec lui-même, avec les autres. C'est un éternel insatisfait, il veut toujours faire mieux, obtenir mieux des autres. Il a une forte confiance en lui et ça c'est la marque des joueurs qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils veulent aller. Mathieu, depuis toujours, quel que soit le niveau où il joue comme si sa vie en dépendait. Lorsqu'il pensait intégrer tel organisme ou telle équipe, le fait de ne pas être pris, ben, c'est l'incompréhension, je ne comprends pas. J'ai pourtant brillé, j'ai pourtant fait ci, fait ça, mais... Voilà, des fois, il faut avoir l'opportunité et si on ne nous la donne pas, ben, on ne peut pas l'arracher. Cette opportunité, Mathieu Strasbourg l'a eue. Alors qu'il n'avait joué que 2 matchs de JP Elite, Zvezdan Mitrovic décide de lui faire confiance en Euroleague. 13 minutes de temps de jeu, dans une semaine pas comme les autres pour le jeune Villeurbanais. Il a pris le train lundi pour le décès de ma mère. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de choses compliquées. Je pense qu'il a eu... Il avait besoin de laisser certaines choses en Île-de-France, de les évacuer avec nous en Île-de-France et de pouvoir faire le vide dans sa tête et redescendre à temps pour un match en Euroleague qu'il ne pensait pas jouer. Le coach Zvezdan Mitrovic, c'est le coach parfait pour moi. Il n'a pas peur de lancer les jeunes. Il m'a fait confiance sur ce match-là. J'ai su lui rendre l'appareil. J'ai fait au mieux, j'ai écouté et puis ça m'a réussi, donc tant mieux. Et je le remercie pour ça. En 3 shoots, Mathieu Strasbourg a marqué les esprits. 3 shoots qui reflète tous les aspects de sa personnalité. Confiance, sang-froid et détermination. Je ne savais même pas qu'il y avait un match Euroleague à ce moment-là. Il me dit, mais il est en train de tirer à 10 mètres. Je lui dis, ouais, mais je connais. Je dirais pas insouciant, instinctif. Instinctif, il sent les choses, il l'a senti. Et je pense qu'il n'a pas réfléchi. Il a envoyé ce qu'il savait faire et c'est rentré. Après cette performance, Mathieu Strasbourg a bénéficié de 17 minutes de temps de jeu face à Valence, avec cette fois moins de réussite, mais toujours autant de culot. Le garçon n'a que 17 ans. Attendez-vous donc à entendre le nom de Strasbourg bien plus souvent.